On vous demande de vous installer, s'il vous plaît. On va démarrer le temps que les officiels soient là pour pouvoir procéder à l'ouverture officielle. Donc, ça nous fera gagner du temps. Donc, en attendant, je vous dis bonjour et dans ma langue, Matarankani. Maintenant, nous allons demander à quelques-uns de le dire dans leur langue également. Donc, dans notre habitude ici au Niger, avant de démarrer quelque chose de si intéressant, comme une telle rencontre, plusieurs personnes venues de différents horizons se rencontrent, ce serait bien de faire une petite prière, mais pas haute voix, parce que c'est certain dans leur religion, il faut crier et tout. On va le faire en silence. Une petite minute, chacun, dans son fond intérieur, va souhaiter que vraiment cette session-là se passe bien. Je ne sais pas la traduction, je sais que je parle composé avec vous, là, ça va. Ils ont commencé la traduction. D'accord. Donc, on va prendre la minute. Et c'est parti. Ok, merci bien. C'est bon? Ok. Donc, nous allons donc démarrer, comme je le disais, le temps que les officiels soient là pour procéder à l'ouverture officielle. Donc, après notre fatia, nous allons demander à M. Nat de bien vouloir nous prononcer les mots de bienvenue. D'accord. Hein? Après ça, je ne sais pas, nous allons demander. Également, en attendant que, donc, si vous avez un mot à dire, disons aussi de dire un mot. Donc, pour le moment, nous allons demander à M. Nat de bien prononcer ce mot de bienvenue. Merci. D'accord. Avant, je fais ça. On a des systèmes ici, si vous voulez, pour la translation. Oui, oui. D'accord. Ok. Aussi, pour les visiteurs, si aujourd'hui c'est le premier jour pour vous, on a les informations et même le petit notebook ici. Donc, quelqu'un peut passer ça à tout qui est venu ce matin. Les invités. Les invités, c'est ça. D'accord. Les autres ont eu déjà hier. Yeah. Donc, oui, les autres ont déjà reçu hier. C'est seulement les invités. Oui, c'est ça. D'accord, je vais passer une petite bienvenue. Mon nom, c'est M. Baskin. Je travaille avec le Sorghum and Millet Innovation Lab, basé à Kansas State University. Mais on travaille en Afrique, à Haïti et Dr. P. Le USAID, c'est le buyer de fonds de ce projet qui a 10 ans. D'accord? Donc, on travaille ici en Afrique, en Éthiopie, Sénégal, Niger, Togo, Burkina Faso, même à Haïti et Madagascar. Et aujourd'hui, on a des équipes de tous ces pays ici entre nous. So vraiment, c'est une bonne occasion d'avoir une équipe à tout d'Afrique et même Madagascar, Haïti, des États-Unis et même Allemagne. D'accord? Bon, on a quatre piliers, tu peux dire. On a développé le network global. C'est vraiment basé local. On a des équipes de collaborateurs
même sur le terrain, mais aussi en États-Unis, en Allemagne, partout le monde, pour faire le network sur la chaîne de valeur de sorgho et de petit mil. Bon, aussi, on a fait la capacity strengthening et le training à le niveau de masters et PhD qui ajoutait la capacité dans le système de research dans le Champagne. Bon, aussi, on a le développement de technologie. Et aussi, nous, aujourd'hui, nous voulons ajouter le moyen de faire la commercialisation et scaling de cette technologie. D'accord? Bon, for the capacity strengthening, on a environ 97 étudiants à le niveau de masters et PhD qui a bénéficié de le projet, et maintenant ils sont sur leur travail dans chaque pays qu'on a travaillé. Aussi, on a le training short term. On a presque 13,500 personnes qui ont bénéficié de cette strengthening of capacity. D'accord? Bon, pour la technologie, on a pensé à phase 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire quoi? Bon, à la phase 1, on a fait vraiment la recherche. Ça, c'est une graphique pour les food products. Bon, on fait la recherche sur le laboratoire d'autres façons, mais on veut que le produit passe vers la phase 3 et 4 où on peut vraiment mettre et trouver cet produit sur le marché. Donc, on a toujours une pipeline de technologie et ça bouge vers la phase 4. D'accord? C'est la même chose pour la semence améliorée. On fait beaucoup de recherche phase 1, mais petit à petit, on a une pipeline qui donne la semence améliorée, qui est même registrée dans le niveau de chaque pays et peut être vraiment scaling sur le terrain. So ici, on a des semences à phase 3 ou 4. Même pour le sorgho et pour le petit mil, qui est prêt pour scaling sur le terrain. D'accord? Bon, ici, c'est un autre type de technologie qui était vraiment sur le terrain. C'est basé à base communautaire. On a presque 10 000 adopteurs sur le côté de Maradi en coopération avec la Fumagaskia et les autres associations là-bas. Et même cette technologie, c'est presque 90% qui utilise, qui est la femme. So, c'est vraiment gender sensitive dans cette manière. Et ça donne une augmentation de rendement au moins 20%. D'accord? Bon, on a des partenaires ici, au Niger, partout le monde. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de renforcer la collaboration pour une mise à l'échelle des technologies. Ça, c'est pourquoi on est venu ensemble. Et je vais passer maintenant la parole. Et je veux dire merci beaucoup à INRAN qui a facilité et même à notre facilitateur qui va aider cette réunion. Merci beaucoup. Donc, merci vraiment, M. Nat. Vraiment, je pense qu'avec le temps, s'il y a déjà des questions, ce serait bien, puisque c'est ça même l'objectif de cette rencontre, d'aller vers lui pour avoir plus de détails. Hein? Donc, je pense que l'essentiel a été donné, et merci. Donc, nous allons donc demander
donc au coordonnateur national de CIMIL, de dire un mot également, ne serait-ce d'insister sur l'objectif de cette rencontre-là également. Merci. Merci, M. Yahya. Merci pour tous nos partenaires d'être venus et aussi ceux qui sont là depuis hier pour cette réunion. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est une rencontre, si on chapeaute ça, entre la recherche et les organisations donc, qui sont vraiment là pour utiliser les technologies, donc les preneurs de technologies, pour aller vers une mise à échelle. Il y a des résultats qui sont là. Au niveau de la recherche, beaucoup de technologies ont été générées et il y a beaucoup de programmes, des ONG, des projets de développement qui travaillent. Souvent, on intervient même sur les mêmes sites, mais on ne se connaît pas et ils ont des problèmes. On peut dire, bon, peut-être qu'on a des solutions et si on se met ensemble, ça peut permettre d'aider vraiment le monde rural, particulièrement qui est notre point d'intérêt pour améliorer tout ce qui est bien-être à travers l'agriculture, à travers tout ce qui est culture de base. Nous travaillons principalement sur le milieu de sorgho et on a constaté que ce lien est vraiment faible au Niger et c'est surtout valable pour la sous-région. Donc là, vous avez plusieurs pays, le Niger qui participe à ce projet, vous avez le Sénégal au Sahel, donc en Afrique de l'Ouest. Il y a aussi des gens qui sont venus de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, et vous avez aussi des gens qui sont venus de Madagascar, carrément la partie sud de l'Afrique. On a aussi des gens qui sont venus de certains pays comme le Mali, il y a quelques personnes du Togo. Et le lundi, on aura une grande rencontre où il y aura encore plus de pays. Il y a le Burkina et le Mali qui vont venir à travers un autre programme qu'on appelle MacKnight, qui travaille avec CIMIL, toujours dans un objectif d'améliorer le bien-être de nos petits producteurs et de se mettre ensemble pour davantage continuer à moderniser leurs pratiques, à innover leurs pratiques et à pouvoir vraiment créer beaucoup plus de valeur à ces cultures de base. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut se connaître et si, voir aussi s'il y a des objectifs qui coïncident certainement dans tous les sens, vous allez découvrir certainement à travers les interventions et tout ce qui est axe aussi transversaux, sur lesquels les gens peuvent faire beaucoup de choses. Donc, nous vous remercions, c'est ouvert, c'est un débat ouvert. Les gens doivent vraiment s'engager dedans et ça permettra peut-être de casser cet abcès parce qu'on nous invite, on a l'habitude de nous inviter à des réunions, beaucoup de réunions, des ONG. Il y a des ONG aussi qui participent avec la recherche à beaucoup de renforcement de capacités, il y a des sous-contrats, il y a beaucoup d'actions, mais les gens ne se connaissent pas. Par exemple, hier, il y a quelqu'un qui était de Madagascar, qui est là, et il m'a demandé comme ça, il dit, mais il y a quelqu'un qu'on appelle Kimsé, je crois, de Grenier, là. Comment est-ce qu'il peut être à cette réunion-là? J'ai dit, mais il va être là demain. Vous voyez quelqu'un de Madagascar? Et voilà, il est là. Et il nous a toujours envoyé aussi des messages. Donc, il faut voir cette interaction, il faut voir cette intégration vraiment de toutes ces composantes de développement, pas seulement au niveau local, mais voir ça au-delà, régional, et même continental. Il y a beaucoup d'actions que ces programmes font dans ces pays. Et on peut même peut-être sortir avec un plan opérationnel. On va dire, ah, mais on va faire des choses. Par exemple, si on prend les semences, des tests de démonstration cette année, OK, vous avez des variétés, mais nous, on travaille au niveau de telle localité. On va essayer de venir et essayer de coïncider. Certains ont même prévu pour ça, les Malgaches, ils ont demandé de leur donner un visa d'une année. Parce qu'ils disent qu'ils veulent vraiment venir, peut-être s'il y a possibilité, pendant les récoltes, pour voir le comportement de toutes ces technologies-là
Et comment est-ce qu'ils peuvent aussi, en tout cas, s'en inspirer et peut-être trouver des moyens de leur test ou de leur adoption au niveau de toutes ces régions de l'Afrique. Donc, en un mot, c'est pour dire que vraiment, nous avons les mêmes problèmes. Et si on se met ensemble, je crois que, on dit l'union fait la force, on va peut-être faciliter leur résolution. Je vous remercie. Il y a déjà deux interventions, il y a des aspects clés sur lesquels vraiment il faudra fixer l'attention. Dans la présentation de M. Senat, les différentes phases, c'est important puisque nous en aurons besoin dans la suite du travail, de comprendre que par rapport à aux opportunités de technologie, eh bien, à toutes ces phases-là, il y a des opportunités. Donc, ça, c'est important en ce sens-là. Voilà. Donc, et au niveau de l'intervention de Dr Mustapha, il a surtout insisté sur le besoin de synergie, de collaboration, mais vraiment grandement ouvert. Il ne faut pas rester seulement dans son seul pays, mais il faut s'ouvrir aussi aux autres. Donc, vraiment, c'est des aspects clés à retenir dans ces deux interventions. Normalement, on est arrivé au moment où on devrait donner la parole au DG et également au directeur pour dire un mot. Bon, je ne sais pas, on va attendre que nos autorités soient là pour faire l'ouverture. Donc, nous allons continuer. Donc, par rapport au programme, l'agenda, je pense que avec ça, ça peut expliquer ce qu'on a à faire. Après ce préalable, nous devrons travailler en deux sessions. Première session va essayer de ressortir les opportunités et les défis qui se posent par rapport aux opportunités de technologie. Et là, au moment venu, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on attend de vous et quelles sont les instructions par rapport au travail. Ensuite, nous allons prendre une pause café et là, elle est spéciale. Parce qu'elle est non seulement assez longue, ce n'est pas habituel, donc c'est près d'une heure que nous allons accorder, mais ce n'est pas pour rien, c'est pour permettre vraiment que les gens puissent échanger davantage. Hein? On va aussi profiter peut-être pour passer peut-être vos besoins ou de peut-être films comme ça, hein? Mais vraiment c'est un endroit. Et visiter également peut-être certains stands des Allemands. Donc, vraiment, c'est un endroit où on attend beaucoup d'échanges parmi les gens. Voilà. Et la deuxième session interviendra après la pause café et elle va porter sur comment renforcer la collaboration, le réseautage et la synergie. Et enfin, ça va nous amener comme ça, là, autour de midi pour que vers midi 30, si c'est possible, qu'on puisse clôturer parce que c'est vendredi. Oui. Hein, c'est pas un jour comme les autres ici. Donc, on fera tout. Donc, comme vous comprenez, j'enchaîne en même temps sur les préalables. Première chose, les règles d'or, c'est important. Si on peut demander déjà aux gens de mettre leur cellulaire sous vibreur, hein, ce serait bien pour ne pas se déranger, hein, si c'est possible. Et également, la gestion du temps, hein, c'est important. Donc, on voudrait bien que les gens puissent nous aider à gérer ce temps-là si on veut vraiment finir avant midi 30. C'est important. Donc, ce samedi, nous allons donc essayer de... On veut avoir non seulement lui, mon collègue, il va m'aider, mais on aura besoin au moins de deux autres qui vont prendre note. Je ne sais pas si c'est possible. Un homme, une femme, ce serait bien. Est-ce qu'on peut avoir deux rapporteurs pour la journée? Les candidats, s'il vous plaît. Au niveau de Hamza n'est pas là, non? Lui, il va bouger beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir deux candidats pour le rapportage? C'est bon? Il n'y a personne? Vous allez prendre l'autre de toute façon. Il s'agit juste de faire ce que vous devrez faire. Donc, deux courageux, là. Hein? Pour prendre note juste. Il n'y a personne? Donc, on va passer donc par la procession. Ou quoi, je ne sais pas, des gazettes.
Ok. Ou bien Gattaji, tu peux prendre l'autre, non? Hein? C'est bon? Ah, tu as un stand, ok. Ok, nobody can take a note. Ah, ça c'est... Vous n'allez rien noter alors, avant de partir. Ok, donc on va, comme je vous ai dit, on attendait l'autorité pour ouvrir la session. Donc, je vois les ingénieurs qui s'avancent. Donc, on va donc leur permettre de s'installer. Ok, vous êtes bienvenue. D'accord. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas, prenez-vous. C'est bon? On peut démarrer pour l'ouverture. On vous attend. Si c'est ok, vous me dites là. Donc, nous allons donc laisser le directeur Simil dire un mot. Ensuite, le discours d'ouverture sera prononcé par le directeur général de l'INRA. Donc, c'est bon? Juste ensuite. Je vous attends, on n'a pas beaucoup de temps. Ok, donc, on va nous laisser dire un mot. Merci, monsieur, et bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre. Nous allons travailler ensemble pour découvrir les opportunités entre nous pour collaborer et développer le secteur privé, le secteur public. Les échanges entre les paysans, les échanges entre les transformatrices, les chercheurs, les agents de développement. C'est une grande opportunité pour tout le monde ici de démarrer cet échange et aussi de continuer demain et après-demain. Donc, je vous souhaite la bienvenue et j'ai une petite chose à vous enseigner. Nous avons déjà dit les bonjour. Mon épouse, elle est finlandaise. Et donc, à Finlande, il dit bonjour comme ça, ou en même temps. Ou en même temps, en finlandais. Donc, nous avons une deuxième langue pour mieux comprendre comment on dit bonjour à tout le monde. Et on commence à détruire les murs entre nous avec ce petit échange. Donc, je vous remercie et donc, je vous souhaite une très bonne journée en échangeant des expériences. Merci. Donc, nous allons donc permettre au DG d'ouvrir la rencontre. Chers invités, chers amis, chers collaborateurs, bonjour. Professeur Tim, au Niger, je pense que pour dire bonjour, on dit. En son rail, on dit mat workani. Et en germain, on dit mat arankani. Et en haoussa, on dit nakwanankou. Et en mina, la langue togolaise, on dit mifonyuenia. Voilà. Ou bien on dit isobedo. Voilà. Donc, c'est avec un réel plaisir que je viens encore devant cette assistance pour vous souhaiter la bienvenue. En Wolof, on dit Nyangedef. Merci de l'appel. Le sujet dont nous allons parler ce matin nous intéresse à plus d'un titre parce que nous travaillons sur le terrain avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et ces acteurs savent ce que nous faisons. Mais en dehors des acteurs avec lesquels nous travaillons, il y a aussi d'autres acteurs qui font beaucoup de choses. Moussapa,
m'a préféré rapidement. Nous avons la FAO, nous avons le plan avec lequel nous avons déjà d'ailleurs, la FAO même, on travaille déjà avec la FAO. Il y a beaucoup d'autres ONG, mais qui n'ont certainement pas eu accès à tout ce que nous avons comme technologie. Et hier, nous avons vu ce que nous avons comme technologie, en dehors des activités que nous menons avec le CIMIL, qui porte sur le mil et le sorgho. Il y a d'autres activités également qui sont menées au niveau de l'INRAN. Et nous avons beaucoup de technologies dont ces acteurs n'ont pas très connaissance. Cette réunion, cette rencontre nous donne l'opportunité de discuter avec eux et de leur dire vraiment ce que nous avons comme technologie, que ce soit les Européens ou les autres pays, puissent les utiliser, les mettre aussi à la disposition des producteurs pour lesquels nous travaillons. Au niveau du Conseil agricole, de façon large au Niger, ce ne sont pas seulement actuellement les services agricoles techniques, les services publics de l'État qui font le Conseil agricole. Nous avons d'autres partenaires, il y a les ONG, il y a les associations, il y a les groupements, il y a même l'encadrement endogène qui se trouve au niveau des producteurs. Ce serait vraiment bien qu'on puisse mettre à leur disposition, qu'on puisse leur faire connaître ce que nous avons comme technologie. Ce sont des technologies qui ont été élaborées, travailler, élaborer, discuter avec les gens et nous pensons que ce sont des technologies qui sont éprouvées. Donc, ce serait bien cette rencontre nous donne cette opportunité de mettre à leur disposition tout ce que nous avons et de leur dire ce sur quoi nous travaillons et pour le bien de tous. Donc, monsieur le modérateur, c'est sur ce que je déclare ouvert cette rencontre de ce matin. Je vous remercie. Merci, merci. Donc, je vais, je ne sais pas si vous voulez laisser encore avec nous. D'accord, merci. Donc, pour ça, je vais vous demander un peu de vous lever. Nous allons un peu nous détendre un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Donc, jusque-là, certains vont se dire, mais on ne s'est pas présenté, n'est-ce pas? Donc, on va se présenter autrement. C'est vrai qu'il y aura une liste qui va passer, on va le faire comme d'habitude, mais cette fois-ci, on va, comme on est nombreux, on ne peut pas dire de faire tout le tour. Donc, on va consommer tout le temps, mais on a encore du temps pour échanger entre nous, pour se connaître davantage. Mais un avant-goût, ça va être ce jeu de rôle-là que nous allons faire. Comment ça va se passer? Donc, je vais vous demander de vous lever et d'imaginer que vous êtes dans les rues de Jakarta ou bien de Bombay ou je ne sais pas où, où il y a beaucoup de monde. Donc, ça veut dire que vous allez marcher dans les... comme vous voulez. Hein? Vous allez marcher en deux heures partout parce que quand je regarde, j'essaie les mangas ici, les Nigériens sont là. Il faut qu'on casse ça, il faut qu'on mélange. N'est-ce pas? Donc, vous allez marcher. Quand je suis là, ça a votre choix, excusez-la, donc, ça a votre choix que là où vous êtes, vous arrêtez, vous prenez celui qui est à votre gauche ou à votre droite, et vous allez échanger sur seulement nom et prénom, lieu de provenance, structure d'appartenance, domaine d'activité. That's all. En tant que nom. Hein? Ça dit, bon, je veux dire en français ou en anglais, on verra, vous allez vous débrouiller hein? Entre vous. Donc, on verra. Donc, on va le faire, puisqu'on a perdu du temps, j'ai prévu trois tours, mais nous allons faire juste deux tours. Hein? C'est compris? Donc, on va se lever pour bouger un peu. Levons-nous. Vraiment marcher dans les rangs, et voilà, se détendre un peu. Voilà. We're on a break right now.
On continue à marcher. Continuez à circuler. Prenez le partenaire. Je vais s'y plaire dans quelques secondes. I will come in 2 minutes. Je vais s'y plaire. Nous allons merci beaucoup, merci. Nous allons regagner le plan. Ou si vous avez eu de nouveaux amis, vous pouvez changer le plan. Tout est possible. Hein? Ok, on s'installe. Merci beaucoup, merci. Merci bien. Ok. On s'installe, s'il vous plaît. Oh, I know. I'm sure. And then tell me how much I owe you. Yeah, it'll be tell me how much I owe you. Nous allons capitaliser comme les acquis de l'exercice que nous venons de faire rapidement. La première chose que l'on peut se poser, parmi vous, combien de participants ont rencontré 3 personnes qu'ils connaissent déjà? Donc, vous avez à lever la main. Donc, ça va être notre première question. Tu mets 1, on va continuer à savoir combien dans le groupe, les gens que vous avez rencontrés les 2 jours là, sont des personnes que vous connaissez déjà. Vous pouvez lever la main. Donc, tu mets un feu. Merci beaucoup. Deuxième question.
Combien de participants ont rencontré seulement, disons, une seule fois-ci, on va dire, une seule personne qu'ils connaissent? Une seule personne. OK? C'est bon. Donc, dernière question. Combien ont rencontré seulement des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées? Compte. 1, 36. Qu'est-ce que cela vous inspire? Donc, on a 36. Donc, les personnes rencontrées sont connues. 17. Une seule personne rencontrée, 14. Toutes les personnes rencontrées n'étaient pas connues. Donc, on a 36. Ça en dit long. Ça en dit long au regard des discours qui ont précédé, disons, l'exercice, qui ont rappelé à la collaboration, à une meilleure connaissance. Donc, maintenant, vous avez échangé sur des choses. Je sais que je n'avais même pas posé la question par rapport à pays, mais c'est sûr que les gens sont échangés sur les pays. Quels sont les pays qui ont été annoncés? Quels pays? Ceux qui sont là? Oui. Hein? Comment? Italie. J'ai écrit juste l'Italie dans deux heures. Quel autre pays? Oui. Madagascar. Sénégal. Haïti. Tu es avec nous? Tu es avec nous? Ah bon, il y a Togo. Madagascar, c'est déjà dit. Éthiopie. Tu es avec nous? Oui. Ok. Sénégal, c'est déjà dit, je pense. Tu as écrit Sénégal? Écrit Sénégal. Ok. Toi. Hein? Burkina. Ok, Bénin. Donc, Burkina, Bénin, États-Unis. Donc, c'est bien. Donc, peux-tu rappeler? Donc, il y a. On a les États-Unis, l'Italie, Madagascar, Haïti, Togo, Éthiopie, Burkina Faso, Sénégal, Bénin. Ça, c'est ça. Dans nos cérémonies, on a l'habitude de distribuer la cola. Donc, ceux qui distribuent ça, et des fois, ils s'oublient pas. Ils distribuent, ils oublient de mettre quelque chose dans la poche. Donc, l'autre question, c'est en échangeant par rapport au domaine d'activité, qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce qui est ressorti comme domaine d'activité? Donc, il y a chercheur, on l'a dit. Maire de la mairie. Ah, ok, donc administration. Oui, il y a semaine. Oui, allez-y. Non, comme domaine d'activité. Production. Alors. Production. Il y a sélection. Donc, sélection, il faut écrire pour elle. Oui, quoi d'autre? Maladie. Ah, ok, donc, entomologie ou pathologie, voilà. Donc, ok. Protection, on va mettre protection, d'accord. Ok, c'est bon. Donc là, appui conseil. C'est bon. Je vous remercie. Maintenant, nous allons juste demander à un des participants, de tirer une conclusion ou un enseignement par rapport à cet exercice. Qui est intéressé? Quelqu'un qui veut tirer une conclusion et l'enseignement par rapport à cet exercice? Ah, vous êtes là pour parler, hein? Okay. Merci. L'homme de Madagascar, c'est ça? De où? Du Tchad. Ouais, merci.
Si je parle des statistiques des personnes rencontrées une fois, deux fois, trois fois, la conclusion, c'est que on travaille tous dans les mêmes secteurs de développement, mais on ne se connaît pas assez. Puisque quand je vois les nouvelles personnes qu'on rencontre, le chiffre est de 30, plus de 30. Et donc, la conclusion à ce niveau, c'est puisqu'on est dans le même secteur et puisqu'on vient de réaliser qu'on ne se connaît pas assez, il vaut mieux désormais apprendre à se connaître, puisque nous sommes ensemble. Deuxième dimension, c'est notamment par rapport aux pays. On voit une très bonne liste des pays. Et ça, personnellement, je suis surpris, c'est la première fois que je vois autant de pays, des représentants des pays réunis à une telle session de travail. Et donc, ça veut dire qu'il faut envisager nos collaborations, non seulement au niveau national, mais au-delà, au niveau régional, au niveau international. Voilà rapidement les deux. Merci, on applaudit fort pour l'entreprise. Merci beaucoup. Donc, maintenant, comme tout le monde l'a souhaité, de collaborer, d'échanger. Donc, nous allons donc immédiatement passer à notre premier exercice. Donc, merci. Donc, ici, nous allons essayer d'organiser des mini-sessions de B2B, puisque tout le monde l'a espéré de se connaître. Donc, ce premier exercice va consister. Et là, dans son discours d'ouverture, le DG est revenu sur ça, que les chercheurs ont beaucoup, de produits, de recherches, mais ils pensent que nous ne sommes pas suffisamment utilisés. Donc, peut-être que les ONG, les projets, les programmes ont leur raison aussi. C'est ça qu'il n'a peut-être pas dit aussi. Donc, avec un tel exercice, ça va peut-être sortir, n'est-ce pas? Donc, ça va consister à mettre face à face, dans un côté, le premier monde, ça va être ONG, projet, et j'en passe, je pense, ONG, projet, plus les producteurs là, vont être dans un même monde. Ils ont la même. Donc, et face aux institutions de recherche, universités, tout ça, qui font la recherche. Donc, ils vont être dans la même session. Et ensemble, ils vont essayer, selon le domaine d'opportunités technologiques. Ici, nous avons retenu domaine nutrition, transformation. Pour l'expertise, on a dit, bon, comme on va réduire le nombre de domaines, nous allons semences, système de production. Donc, ça nous fait 4 domaines d'opportunités technologiques autour desquels nous allons essayer de faire, de discuter. Donc, pour l'instant, par rapport à la nutrition, est-ce que je peux avoir un porteur de la thématique, quelqu'un qui va s'occuper de la session dans son groupe? Nutrition, c'est en fonction de vos centres d'intérêt. Qui veut être le porteur de la thématique? Donc, il va être le facilitateur dans son... Il peut participer aussi. Donc, nutrition. Qui est comme centre d'intérêt nutrition parmi vous? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont comme centre d'intérêt la nutrition? Nutrition. OK. Donc, vous allez prendre le nom, s'il vous plaît. Tu prends une autre couleur. Voilà. C'est bon? OK. C'est bon? Ah, le nom, oui. Rappelez-nous, s'il vous plaît. Bruce. OK. Donc, be sure that we write Bruce. Transformation. Puis, on va prendre. Comme les transformations des produits, tout ça là dans leur ensemble. Qui veut être le leader? OK, allez-y, donnez. Check. C'est pour moi. Merci. Lead pour semence. Qui on va avoir? La semence. Seed. Qui est porteur?
À haute voix, s'il vous plaît. Abdoulaye, merci. Maintenant, enfin, système de production. Système de production. Les différents systèmes de production. Et, OK, le nom, s'il vous plaît. Abdoulkader, merci. Voilà, donc c'est très bien. Donc, vous allez bien les regarder parce que c'est avec eux que vous allez, nous on va s'adresser à eux, mais vous allez être avec eux dans leur groupe, donc vous devrez les cibler. Donc, nous allons reprendre. Je peux relire. D'accord. Donc, nous avons quatre groupes. D'accord. Pour rappel, donc, on a quatre groupes. Le premier groupe, c'est sur la nutrition. Donc, vous regardez bien. Le livre, c'est Bruce. Le deuxième groupe, c'est sur la transformation. Je veux, au moins, le livre, c'est Cheikh. Premier groupe, Bruce. Stand up. Le deuxième groupe, c'est transformation. Le livre, c'est chèque. Ok, c'est bien. Troisième groupe, c'est sémence. Le livre, c'est Abdoulaye. Quatrième groupe, c'est système de production. Le livre, c'est Abdoulkader. Ok, merci. Donc, maintenant, le travail, comme on vous le dit, dans chaque, pour chaque thématique, on va avoir aussi bien des représentants des ONG, projets, hein, mais on veut aussi avoir leur vis-à-vis, les chercheurs, donc au niveau des institutions de recherche ou des universités. Donc, c'est comme ça qu'on voudrait bien que ça se passe pour que les champs soient meilleurs. Donc, maintenant, on va expliquer. Quel est le travail à faire? Please, can I show one of the first session? Okay. Voilà. Donc, les thèmes de référence vous seront donnés au moins quelques copies à chaque, lead. Donc, les thèmes de référence, c'est ça. Par rapport à la première session, en fonction de votre thématique que vous allez préciser, l'exercice va durer 35 minutes. Donc, les noms de facilitateurs, c'est bon, on les a déjà avec nous. Donc, c'est possible de... Voilà. Donc, de quoi allons-nous parler? Donc, c'est vraiment un exercice de B2B qui va mettre en face les ONG, projets, programmes et les institutions de recherche. Vous allez échanger sur les opportunités offertes par chaque chaîne d'opportunités technologiques. Hein? Relevez les acquis. Ensuite, s'il y a quelques success stories ou témoignages qui méritent d'être connus, de les proposer. Et il faut aussi parler des aspects à améliorer pour que ces opportunités-là soient bien mises en valeur, c'est-à-dire bien saisies. Et ensuite, aujourd'hui, face au contexte dans lequel on se trouve, qu'est-ce qui se présente pour vous comme défi pour une meilleure mise à l'échelle, disons, de ces opportunités technologiques. Voilà un peu l'exercice. Maintenant, quand vous allez être dans les consignes pour les travaux de groupe, on va vous indiquer les salles pour chaque
ou les espaces comme la salle des grandes visites, les espaces où vous allez vous asseoir. Et puis, chaque groupe va, déjà on a le facilitateur, le porteur qui a même tout le liste, et vous allez prendre 5 minutes pour bien comprendre qu'est-ce qui est posé comme exercice. Et vous allez vous mettre donc au travail pour la suite. Donc voilà un peu ce qui est de l'exercice. Donc nous avons les 4 salles, c'est ça, mais ici, on peut faire travailler 3 groupes ici. Hein. Donc les 3 premiers groupes, c'est bon, peuvent s'installer ici. Il y a pas 2 salles là-bas. Voilà, donc 2 peuvent rester ici. Donc le groupe 1 et le groupe 2. Donc, tu peux préciser, tu mets ici, même si tu mets ici, grand salle, si tu veux. Voilà. Vous allez. Donc, c'est bon. Grand salle, là-bas aussi, grand salle. Vous allez. Après, abrégé. Conférence, salle, conférence. OK. Maintenant, salle 3, c'est mal. Je ne sais pas comment ils sont numérotés. Donc, vous allez prendre une salle, je ne sais pas, il y en a là et là, non? Je ne sais pas. Je ne les ai pas visités. Donc, et salle 4, c'est aussi une salle en haut là-bas. Voilà. Voilà. OK, merci. Nous allons circuler pour mieux expliquer aux besoins hein, l'exercice. Voilà. Donc, actuellement, il est quelle heure? Oui, bon, en fonction des centres d'intérêt, ils vont aller vers là-bas. Donc, dans chaque, c'est ça. OK, d'abord, ça tombe bien juste. OK, merci. Donc, nous allons donc, nous installer, si vous avez compris, sauf s'il y a, dans les groupes, s'il y a des questions, nous allons passer. C'est bien compris. OK, merci bien. Donc, chaque lead, you have a question? Non, OK. OK, donc chacun, voilà, donc nutrition reste par là, vous restez de l'autre côté. OK. Vous voulez quoi dans les thématiques? Oui, c'est pas grave. La nutrition, c'est bon. Donc, comme les canons de nutrition, c'est aussi nutrition humaine, nutrition animale. OK, on a fait des différences, s'il vous plaît. On a juste. Voilà. OK. Just put on the scanning. It's got a nice one. Okay. This one? Okay. Nice for 2. Gonna do that. Okay. All right. Yeah. We got a lot of slides. Yes.
What? Are you packing? Yeah, I have a mic. You have a room cleaner. I did. Just move down. It's fine. We need to change them. No, no, just keep going. Go ahead and use that. I know we have one in here that works. Keep going. Okay. We might give you an update. Okay. Is this gonna work eventually? No, I can't give them the work. So you gotta rely on me. Yeah, I tried both of them. So if you're getting, yeah. Okay. You can try to make it work. I guess maybe I can. Grab the picture and resave it onto the desktop. This is the arena for the game. But at the moment, it's not a disaster. We'll get everything with that one photo that close. Okay. Just so you know, I think I'm going to sit here with a timer, and I want to tell you that you're out of time for people sometime. Yeah. So you're ready. I'm going to keep it super short, so I'll give you almost 25 minutes. J'ai apprécié les produits locaux là. Vraiment, c'est j'ai dit surtout le truc là, comment dirais-je, la sauce de moringa. Beaucoup de choses. Voilà. Donc, on fait mieux. D'accord, merci. Oui, il y a le chargeur qui veut dire aussi quelque chose. Merci. En plus de ce que les collègues ont dit, moi, ce qui m'a impressionné pendant la pause, c'est le réseautage. J'ai vu les gens se tenir deux à deux, le B2B et tout ça, c'est très intéressant. Merci. OK, c'est bon? OK. OK. Moi, qui m'a impressionné, c'est le goût de mocha que vous avez fait, c'est avec le sorbet. Mocha, le galette, la galette. Mais chez nous, c'est avec du riz. Mais ils ont le même goût. Hein. Ah ouais. Merci. Okay. Donc, vraiment, je pense que ça n'a pas été du temps perdu. On a, ok. Et n'oubliez pas également le stand qui était à côté. J'ai vu un stand avec les affiches du monde aussi qui a été fait à travers les différentes initiatives. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie tous. Donc, comme je le disais, ça, au regard des témoignages qu'on a ici, ça montre que quand même l'espace-là n'était pas rien, quoi. Donc, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas manquer. Donc, ça nous redonne encore plus de courage à faire davantage. Donc, nous allons donc maintenant, puisque le nombre a grandi là, variété, oui, les différentes variétés de semences.
D'accord, c'est bien. Donc, il y a vraiment une diversité de produits. Hein, on peut résumer ça comme ça. Et que vraiment, et également, les initiatives de transformation, les initiatives de valorisation des produits finis, tout ça là, donc on peut le résumer dans ce sens-là. D'accord, merci bien. On applaudit pour tout le monde, pour tous ceux qui ont participé. Donc, là maintenant, nous allons procéder à la restitution des résultats de la première session. Donc, nous sommes, je sais pas, il y a un groupe ici, hein? Je ne sais pas s'ils sont prêts. On peut commencer par eux, hein? Ou bien? Are you ready for, to start? OK, so we can wait. If you are not ready yet, I will bring to those who can. Ah oui, vous voulez présenter voilà. Ah oui, j'ai vu l'autre, ce n'est pas la celle qui écrivait, non? Est-ce qu'elle peut lire? Elle est là. Elle peut lire ton écriture. C'est bon? Donc, d'accord. Vous pouvez compléter au besoin. Vous avez juste 3 minutes comme ça, là. C'est bon? OK? Donc, rappelez un peu votre domaine et tout ça, et comment s'est passé le travail. Voilà. Bonjour. Moi, c'est Amina Moussa. Je suis grand advisor, gestion de subvention d'un projet de l'USAID. C'est la première fois que je l'assiste à ce genre de rencontre sur la nutrition et tout ce qui est alimentaire. Donc, c'est une très belle opportunité pour moi de rencontrer des personnes venues de divers horizons pour la bonne mise en œuvre des projets liés à cette thématique. Donc, le groupe 1 a travaillé sur la nutrition. Pour le lead de M. Bruce et le cadier. Voilà. Okay. Donc, par rapport aux opportunités, on a parlé de la biofortification des produits, la nutrition humaine et animale portée sur le choix de certains produits, notamment le nébé à double usage, le sorgho, etc. On a les sous-produits du sorgho, du nievé et du mil. On a les aliments nutritifs. On a toujours comme opportunité assurer la disponibilité des produits micronutriments, la dimension alimentaire des revenus des ménages, création d'emplois. Par rapport aux opportunités. Voilà. Est-ce que je continue? En termes de success stories, on a la fortification des aliments par les aliments. On a une dame qui nous a donné un success story par rapport aux aliments. C'est le cas d'un bébé de 5 mois qui a perdu sa mère. Et ce bébé a été nourri par les produits transformés par ces femmes-là, les produits à base de mil et du sorgho. Donc, vous avez quelque chose à ajouter, monsieur le Tchadien? Non, c'est bon. C'est bon, d'accord, oui, merci. Oui, fortifié, bien sûr. Donc, en termes de défis, on a l'insuffisance de sensibilisation sur les technologies de transformation. On a des aspects d'hygiène qui ont un impact. On a amélioré l'alimentation animale pour mieux améliorer l'alimentation humaine. C'est ça, OK. Revenu limité des ménages, qui est aussi un grand défi, et l'alphabétisation. Um,
toujours en termes de défis, le défi, on a l'habitude alimentaire contribuant au refus de consommation alimentaire nutritive. On a un faible cadre réglementaire en matière de normes nutritionnelles. En termes de défis, voilà, c'est bon. C'est bon? Une ou deux personnes, si vous voulez compléter dans le groupe, c'est bon, sinon, c'est bien. Qui veut compléter, dis-le juste. Juste deux mots, c'est que ce défi et opportunités ont été analysés en posant trois piliers essentiellement en matière de nutrition. Donc, les aspects liés à la disponibilité d'aliments nutritifs, les aspects liés à l'affordabilité d'aliments nutritifs et aussi des aspects liés à l'accessibilité. Donc, si vous voyez, c'est en fait toute la chaîne comme ça qui nous a permis d'apporter ces analyses sur les questions qui sont posées. Merci. Donc, on va applaudir Sophia. You want to add something? Thank you. I think that one of the opportunities, real opportunities that we talked about is markets and the opportunity for markets to contribute to nutritional improvement through diet quality improvement. So, you know, selling fortified foods into urban and rural markets to improve nutritional quality of the foods that people eat, and also I think Jim mentioned this too, that there are income generating activities, entrepreneurism. Thank you. Donc, on va applaudir une seconde fois pour le groupe, pour le travail bien fait. Merci bien. On va donc demander au second groupe de prendre aussi les 3 à 5 minutes là pour leur présentation. Merci. Je me nomme Amadou Mamadou, je travaille pour le plan international et bio du Niger, donc je suis assistant programme. Sous le lit de notre collègue de Dakar, donc notre groupe a eu à travailler sur la transformation. En ce qui concerne les opportunités, nous avons pu identifier en tout cas, la disponibilité de la technologie à mettre à l'échelle, que ce soit au niveau des ONG ou bien au niveau des projets au niveau terrain. Seconde opportunité également, nous avons mentionné le développement à travers les technologies des farines fortifiées pour pouvoir résoudre surtout la question de la malnutrition. Également, autre opportunité sur le renforcement des petites et moyennes entreprises, voire les groupements féminins, pour pouvoir leur faciliter l'accès à ces technologies qui sont là. Donc, on doit travailler aussi à cela. Nous avons aussi mentionné une autre opportunité qui est la collaboration avec les institutions de microfinance qui sont sur les terrains, qui sont prêtes, selon en train les accords qu'on aura avec elles, pour pouvoir appuyer ces groupements féminins à accéder à ces technologies. Plus souvent, les femmes n'ont pas les moyens de s'acquérir cette technologie. Et nous avons aussi souhaité avoir les détails, parce que nous ne sommes pas du domaine. Il y a d'autres départements qui ont souhaité à juste titre de savoir quelles sont ces technologies dont on nous parle ce matin. Donc, c'est à ce titre que le collègue a voulu apporter en tout cas la précision à travers ces différentes technologies qui sont là, l'extrusion, développement rapide des couscous et des guets, fortification de l'alimentation, le développement des farines composites ou composites. Notre collègue de l'Éthiopie également a donné le cas de l'Ingrat. Ingrat, voilà. OK. Planification également. Donc, ce sont les technologies dont on a eu les détails avec leur contribution. Le second aspect, en ce qui concerne les acquis, les témoignages, bon, nous avons eu 3 points. À ce niveau, surtout le développement des produits normés pour les différents segments du marché. Second point, c'est l'autonomisation progressive des femmes à travers les revenus obtenus au moyen de ces technologies. Donc là, c'est un fait. Et ensuite, nous avons les nombreuses initiatives à travers les projets. Donc, c'est ce qu'on a pu mentionner à ce niveau. Peut-être qu'on aura
la contribution de l'audience pour pouvoir compléter cette section. La dernière section, qui est les défis, on va beaucoup parler du défi lié au financement et à la disponibilité de l'équipement, surtout en lien avec ces structures paysannes dont on a parlé. Ce n'est pas du tout évident qu'elles puissent accéder au financement et aux équipements nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons également mentionné pour le défi l'insuffisance ou bien la vulgarisation des technologies. Ces technologies sont là, mais elles ne sont pas suffisamment vulgarisées, ou bien il n'y a pas une bonne communication autour de ces technologies. Également, il y a l'insuffisance de la demande des marchés. Donc là, c'est voir la possibilité de faire, en train de créer ces marchés, parce que ces marchés sont là, mais il y a vraiment une insuffisance en termes de demande. Un autre défi qui n'est pas du moins, c'est la communication entre les acteurs eux-mêmes et aussi les pays. On est là, c'est plusieurs pays qui sont regroupés, mais malheureusement, on a pu ressortir le fait que cette communication manque beaucoup entre nous, en tant qu'acteurs, mais aussi entre pays. Également, il y a l'aspect résultat qui a été ressorti, qui constitue également un défi à ce niveau. Le dernier point, c'est le manque d'utilisation des TIC dans la transformation. Certes, la technologie elle est disponible, mais ce n'est pas toujours le cas au niveau de cette transformation. Donc, les TIC, en tout cas, peinent encore à être appliquées. Il se peut que c'est lié à la maîtrise de ces TIC, mais c'est à la disponibilité de cette technologie. Donc, voici ce que le groupe a pu proposer en termes de réflexion. Donc, je m'en vais demander à notre leader s'il a quelque chose à compléter, surtout avec les quelques thèmes techniques. Oui, oui, bon, vraiment, merci. Hein. Donc, le rapport a été très précis. Juste pour les questions d'insécurité, certaines zones, même à turn it off, my rest. Et puis aussi, surtout, le dimensionnement des équipements. Parce que vous savez, bon, c'est à des niveaux très différents. Donc, il y a des petites entreprises, des moyens, des. Donc, peut-être faire le dimensionnement aussi, c'est extrêmement important. Merci. Peut-être en anglais ou quelque chose comme ça dans le groupe qui veut ajouter quelque chose, c'est bon? Ok, merci. On applaudit pour le groupe. On vous remercie pour le travail. On a un troisième groupe qui est. Il nous reste deux groupes, c'est ça, non? Troisième et quatrième. Troisième. Bon, c'est bon, ça. Ça va. Merci. Moi, je m'appelle Kaplan Nour. Je suis responsable d'un nouveau sous-paysage derrière les collègues avec qui on a travaillé. Et dans notre groupe, il y avait des chercheurs, donc des agents de vulgarisation et des agents de producteurs qui ont beaucoup apporté en termes de réflexion sur aussi les défis et les opportunités concernant les semences. Which slide? Okay. Okay. Donc, si n'est pas prêt, on va. Oh, I'm delayed. Okay. It's okay. Okay. It's still, there's some yes. Broken images. C'est là où il y a le. Viens voir. Oui. Oui, 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 yes. C'est ça. Une partie donc des travaux de réflexion qu'on a fait sur le thème du groupe 4 qui est donc système de production. Donc, en termes d'opportunités, il y a peut-être la réflexion nous a permis donc d'identifier certaines opportunités
quant au système de production. Notamment, c'est l'existence donc de technologies mises au point par les chercheurs. Je vais là parler de l'existence donc de variétés de cultures adaptées donc à différentes zones agroécologiques, mais aussi donc de tout un autre paquet technologique qui accompagne ces variétés donc pour leur mise à l'échelle. Donc ça, c'est vraiment l'opportunité que vous saisissez. Mais avant ça, donc, on a aussi donc l'existence d'un encadrement technique qui puisse venir donc des chercheurs, des anciens chercheurs, tout comme donc, des agents donc, de vulgarisation agricole qui peuvent faire un accompagnement. Donc ça aussi, c'est des opportunités. Au niveau des ONG, elles sont là pour exprimer donc, les besoins des producteurs. Je considère que je suis donc là les porte-parole de ces producteurs. Ça aussi une opportunité. Donc, elles offrent donc un environnement favorable à la mise à l'échelle des technologies. Ça peut être aussi donc l'existence du capital foncier. On a beau avoir des technologies de bonne variété, il faut le capital foncier donc pour les démontrer jusqu'à pouvoir les adopter. Voilà donc en ce qui est donc des opportunités. Oui. Allez. Donc, la deuxième partie du travail concerne donc, là, on a trois points différents qui sont les acquis, les success stories, donc les témoignages, ainsi que donc les aspects à améliorer. Pour les acquis, on avait effectivement donc les centres de variété qui sont connus et adaptés, c'est déjà un acquis, ainsi que les technologies. Donc, ça, vraiment, c'est un acquis. Donc, il faut peut-être consolider. La structuration des organisations paysannes, ça facilite beaucoup donc la mise à l'échelle de la personne des technologies, ainsi que de tous ceux qui ont accompagné ces masses, tout ce qui a accompagné. Donc ça, c'est des acquis. Il y a aussi l'existence des chaînes de valeur. Elles sont créées, même si peut-être elles ne fonctionnent pas comme ça se doit, mais leur existence, leur création, donc, et leur existence, c'est un acquis qui peut fonctionner. Comme témoignage, nous avons, par exemple, gardé à l'esprit là, on parle du système de production, par exemple, la variété de mille Shakti, qui a eu une adaptation très rapide, par exemple, le cas du Niger. L'exemple, par exemple, du festival, que le festival du mille qui est organisé donc, chaque année au Niger, ça fait je crois 2 ans. Donc, cette variété, effectivement, donc, a remporté le premier prix en intercorps. Ça, c'est juste un thème de l'histoire. La collaboration entre les ONG, les producteurs et les chercheurs, on les espère améliorer, d'une part, la communication également. Et là, je vous dis, c'est un producteur qui me dit souvent, bon, là, je vois pas de disponibilité des chercheurs. Un producteur, nous a dit que souvent, ils ont certaines besoins, mais ils n'ont pas les chercheurs vraiment à côté de vous. Donc, ça, c'est amélioré comme aspect. La vulgarisation des technologies, donc, c'est vraiment des canaux qui sont meilleurs pour les Brésiliens, ainsi que la mécanisation agricole, ça aussi, c'est des aspects donc, qu'il faille donc améliorer. Et on va maintenant au défi, ces défis à relever, on n'en manque pas. Nous avons dit que la mécanisation, c'est quelque chose qu'il faut améliorer, mais peut-être que c'est un défi. C'est-à-dire, on s'entend beaucoup plus va être un défi. La mécanisation est très faible. L'adoption de nouvelles variétés. Les nouvelles variétés et même les technologies, c'est-à-dire elles sont adaptées avec un très faible pourcentage. Donc ça, vraiment, c'est des défis qui restent à relever. La disponibilité des intrants. Nous avons tous connu pendant ces dernières années-là de coûts élevés, par exemple, des engrais, des intrants agricoles de façon générale et un peu même des semences. L'augmentation des rendements, c'est-à-dire toutes ces technologies doivent concourir à augmenter le rendement, qui reste toujours faible. Donc, c'est un défi. La bonne politique agricole. Elle, finalement, donc, elle recouvre tout. C'est-à-dire que vous avez beau avoir des technologies, des disponibilités, mais quand il n'y a pas de bonne politique, donc là, ça peut donc ne pas être porteur effectif de ce développement. Donc, vraiment, on demande ça, là, c'est très capital, ça. Je vous remercie, monsieur. Dans le groupe, s'il y a un ou deux qui veulent le compléter, c'est possible. C'est bon? Ou bien il a tout dit? Hein? Donc, je pense que bien.
il a pris tout son temps d'ailleurs pour le faire. Et je pense qu'on n'applaudit pas pour le groupe en entier. Merci bien. Donc, maintenant, je pense que la technologie est prête. Oui, c'est OK, d'accord. Donc, on vous invite, Sevance. Merci. Je vais commencer à introduire. OK. Donc, je vais présenter le travail du groupe 4 concernant les semences qu'on a pu traiter avec l'ensemble des participants, que ce soit le Cercle des chercheurs et faisant des vulgarisations, ONG et les associations de producteurs, dont moi-même. Donc, en termes d'opportunités et offertes concernant les semences, nous avons pensé que la sélection participative est extrêmement importante pour les acteurs, ce qui concerne l'accès aux semences, mais en même temps aussi, ça facilite l'adoption de la mesure où le paysan, déjà dès le début, a pu participer activement à la création variétale. La diversité de variétés qui est adaptée et en quantité, je pense qu'au niveau de la recherche, je pense que ce qu'on a présenté hier montre effectivement qu'il y a beaucoup de technologies qui sont adaptées à des conditions agro-climatiques diverses, mais qui répondent à des besoins. Et les gens arrivent à les produire aussi en quantité. Avec des échanges de matériel végétal pour amélioration de la diversité génétique, à travers aussi des échanges techniciens, agriculteurs, on voit que l'opportunité, c'est d'échanger des variétés, que ce soit traditionnelles, pour améliorer donc, la diversité génétique, pour au moins aussi. Répondre à des préoccupations concernant les besoins. Il y a aussi un milieu réel en termes de démonstration et de participation. Je pense que la mise en place d'essais en milieu paysan avec des paysans expérimentés, c'est une opportunité pour le chercheur, mais aussi pour l'agent de vulgarisation et le paysan, donc de travailler pour anticiper sur des éventuelles difficultés que la variété ou bien la technologie peut apporter, éventuellement trouver des solution. Dans notre opportunité aussi, on a parlé d'approche des producteurs en milieu réel. Donc, les échanges chercheurs-producteurs aussi permettent aux producteurs aussi d'avoir une capacitation. Parce que même hier, nous, en tant qu'acteurs aussi, on a pu avoir une capacitation sur les échanges et encore mieux quand on est en milieu réel et quand on fait des essais en milieu paysan. Et le marché aussi régional qui est libre. Donc, l'harmonisation est aussi une opportunité pour les acteurs semenciers, les OP, de pouvoir vendre des semences, mais aussi pour les chercheurs aussi, d'échanger au maximum les technologies. Pour les acquis et succès, nous pensons qu'aussi la variété pour répondre aux besoins spécifiques et dynamiques. On convient avec moi que les besoins changent tout le temps. Je pense que ça peut dépendre aussi des conditions, ça peut être de l'économie. Récemment, la guerre en Ukraine oriente les pays africains sur d'autres types de besoins. Sur aussi les systèmes de culture, les itinéraires techniques, les cartes variétales, les marchés et aussi la nutrition transformation, notamment sur les procédés de valorisation. Donc, on dirait aussi comme des acquis actuels qui sortent aussi au secteur semencier. L'implication forte des acteurs dans les essais, je pense que les paysans sont devenus maintenant des chercheurs quand ils travaillent sur les essais multilocaux. Déjà, ils sont en contact dès les premières activités de recherche avec les technologies à travers aussi des démonstrations. Le partage des résultats et des évaluations technologiques aussi se fait chaque année avec les chercheurs, ce qui permet aussi d'anticiper sur des difficultés, mais aussi de faire des propositions pour améliorer. En termes d'acquis de témoignages aussi, ce succès, on parlait des jeunes sélectionneurs dynamiques. Je pense que hier, on a vu qu'on a beaucoup de chercheurs quand même qui produisent des choses intéressantes. Je pense que ça, c'est aussi c'est important de reconnaître comme des succès. Et je pense que les lendemains pourront nous donner plus d'opportunités en termes de diversité et aussi en termes de progrès. Donc, plus commencières sont en détection dans tous les pays africains. Donc, il y a des gens qui prennent des initiatives pour faciliter la production, mais aussi la distribution. Et les expériences aussi des OP, des semenciers qui ont eu
vraiment à faire ces demandes durant une longue période et qui ont acquis beaucoup d'expérience. Et en termes de défis à relever, c'est aussi toujours dans, la, dans cette dynamique changeante des systèmes de production et des besoins. On doit aussi aller toujours dans la diversification, dans la nécessité de proposition de technologies pour répondre aux besoins du système de production, des marchés, de la distribution. L'accès aux intrants pour atteindre le potentiel de rendement. Je pense qu'on a parlé de paquet technologique. C'est important que quand on crée une variété, qu'on l'accompagne avec le paquet technologique pour vraiment que l'acteur puisse avoir le potentiel de rendement qui est véhiculé ou bien communiqué à travers ces technologies-là. Le suivi et l'évaluation des technologies de manière sont conjointes, ça c'est un défi aussi pour nous, acteurs. Il faudrait qu'au-delà de l'introduction de la variété, qu'on puisse échanger, voir maintenant lire le retour des utilisateurs et de faire les évaluations. L'organisation du secteur, donc on a parlé aussi qu'il faudrait qu'on arrive à une catégorisation, à une traçabilité de ce qui se fait dans les semences. Et là aussi, on a besoin de le concours des sociétés, des ONG, pour qu'on puisse travailler en synergie et avoir toute la traçabilité, l'information concernant les semences. Alors aussi, de responsabilité d'organisation, coordonnement et responsabilité. Ça a fait allusion à le fait qu'on a des services de vulgarisation généralement qui sont plus responsables dans la division des technologies, alors que peut-être le chercheur pourrait, ou bien d'autres acteurs pourraient aussi travailler ensemble pour faciliter l'accès à ces technologies. Donc, des défis de travail en synergie entre la vulgarisation peut-être et la recherche pour pouvoir atteindre le maximum d'acteurs. On a parlé aussi de motivation sur la création de technologie. Là, c'est une réflexion. Est-ce que les motivations au niveau de la recherche doivent se limiter sur le nombre de variétés créées, sur l'aspect physique qui est utilisé dans les variétés? Donc, ça, c'est une réflexion peut-être qui est ouverte, permettre à chaque acteur aussi d'avoir les meilleurs. Motivation sur la recherche variétale pour vraiment impulser davantage cette recherche et cette découverte de technologie. Là aussi, on a parlé d'expression des besoins en semences. Je pense que la grande difficulté que nous avons en tant qu'acteurs, c'est qu'on ne puisse pas quantifier en fait quel est le besoin en semences. Et ça aussi, on a besoin d'informations, de croisement ou bien de ce qui est. De faire le croisement de toute l'information pour pouvoir accéder à cette demande formelle. La commercialisation des semences et la mévente aussi. Bon, on connaît que une année sur deux aussi, on a des difficultés soit de déficit, soit de mévente des semences. Là aussi, c'est lié à une question de besoin qui n'est pas, un besoin qui n'est pas quantifié, qui fait que aussi, c'est des défis auxquels donc, les secteurs semenciers sont confrontés. La certification. Là, on parle peut-être des services de vulgarisation, l'accès aux vignettes, les coûts de la semence aussi, en termes d'accès, pose aussi problème au niveau des agriculteurs. Une base de données d'informations sur la technologie, c'est important. Ça permet aussi de voir quelles sont les performances, l'utilisation, l'impact, pour avoir toute l'information qui concerne la semence. La communication grande masse, et on pense plus travailler dans la diffusion à grande masse avec la digitalisation, avec les paquets d'intrants distribués, pour faciliter vraiment l'accessibilité aux semences. Pas d'information sur les conditions d'exploitation, pas de rentabilité. Là aussi, on a besoin que les producteurs de technologies puissent échanger avec les utilisateurs sur les budgets de culture, les conditions d'exploitation et voir la rentabilité de cette activité avant qu'on puisse donc, aller dans ce sens-là. Et enfin, parler des types de variétés à diffuser. Donc, toute l'information sur que ce soit des hybrides, des pollinisations libres, OPV ou autres, donc qu'on puisse avoir l'information pour pouvoir vraiment choisir quel type de variété ou quel type de logique utiliser. Voilà le travail du groupe 3. Je vous remercie. S'il y a des personnes du groupe qui pourront apporter d'autres contributions ou éclaircissements. Merci, on a Julien de la présentation. Maintenant, comme je pense que c'est Kay, il a pris aussi le temps de bien expliquer. Je ne sais pas si dans le groupe, il y a encore quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Mais sinon, on va applaudir encore fort pour tout le groupe. Merci, votre groupe. Donc, c'est bien. Je pense que vous-même, vous avez dû remarquer qu'on a fait, dans cette session, a même débordé sur la seconde session. Ce qui n'est pas mal. Puisque vous remarquerez que toutes les sessions sont revenues
sur la question de synergie, de communication, de relation, de... Ouais. Donc, on ne va pas encore revenir sur ça. Mais ça pose deux questions. Qu'est-ce qui cloche et que faire? Donc, c'est à ces deux questions que nous allons répondre. On aura fait la deuxième session. Hein? Puisque on a... donc, on va résumer le tout en ces questions-là. Et on aura fait la deuxième session, si vous êtes d'accord. Donc, comme je le dis, il y a deux grandes questions. Tu m'écris ici, acteurs, les acteurs. Ensuite, qu'est-ce qui cloche par rapport à la difficulté de relation et que faire? Et nous allons le faire en plénière ici. Donc, pour le reste du temps qui nous reste, pour pouvoir boucler ça. Donc, non, c'est, je veux dire que acteurs, on va les relever. Hein? Donc, on voit qu'il y a tout un ensemble d'acteurs. C'est revenu chaque fois. On a les chercheurs, on a parlé des ONG, on a parlé des organisations des paysans. Donc, tu les prends. C'est juste s'il y a à compléter, vous les complétez. Sinon, on passe. Donc, par rapport aux acteurs sur toute la chaîne-là, quel que soit les domaines, il y a la question de, des OP, d'organisations paysannes, on a parlé des universités, on a parlé, donc, tout au long, hein, ce qui sort là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme acteur? Des semenciers, j'ai entendu, des transformateurs, j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Bon, j'ai déjà écrit, c'est bon. OK, est-ce qu'on a oublié autre chose? Donc, organisation, société civile, OSC, consommateur, administration, institution, microfinance, c'est sorti aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi oublié? Hein? Politique, c'est ça. Donc, administration, barre politique. OK. Est-ce qu'on a oublié autre chose? Les projets, justement, c'est sorti même là. Les distributeurs, ça on attend. Bon, quand on est au semencier, bar, distributeur. OK? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, c'est déjà vraiment, on voit ici toute une diversité d'acteurs. Donc, en réalité, c'était ce qui était demandé pour l'exercice 2. Donc, comme on l'a déjà eu dans l'exercice 1, on va gagner du temps. Donc, la question qui se pose, et tout le monde est d'avis sur l'ensemble des groupes, que vraiment la relation de ces différents acteurs-là, elle est encore faible. Ça, tout le monde l'a ressorti. Donc, dans ce sens, hein, alors, les services d'extension, de vulgarisation, service vulgarisation. D'après ça aussi, c'est même le dernier orateur qui a ressorti ça, les services de l'appui conseil, là, comme il disait, l'appui conseil. Il y a l'appui conseil. Hein? Les PTF, ah oui, ça. Bar, projet, bar, PTF, l'appui, ou bien écrit PTF. C'est pas de tout, c'est pas. Donc, la grande question, alors, sur cette diversité, on reste ouvert. Hein? Donc, s'il y a d'autres qu'on a oublié, on peut. Ah, bon. Donc, la grande question, la relation est faible. Alors, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? En anglais, ça va être quoi? Qu'est-ce qui cloche? Voilà. What impedes? What... Merci. Donc, qu'est-ce qui cloche? Parce que tout le monde est convaincu que les relations ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est insuffisant. Mais qu'est-ce qui cloche? Maintenant, c'est ouvert. Hein, ça va être notre première question. Qu'est-ce qui cloche et que faire? Vous pouvez compléter les deux. Qu'est-ce qui cloche et que faire? Donc, je pense qu'il doit avoir un système bien formé, quoi. Donc, un système qui est bien. Quoi. Okay, donc, là, qui permet donc de faire ces synergies-là. Voilà, voilà. De connexion. Voilà, de connexion. De communication et de connexion, de réseautage, etc. De réseautage, etc. Tout intégrant pour compréhension. Ok, d'accord. Qui a d'autres raisons?
qu'est-ce qui cloche, pourquoi entre les chercheurs, par exemple, les ONG projets, la valorisation des. Question de volonté des différents acteurs. C'est de se décider, donc, manque de volonté. OK. Il y a d'autres choses. Le manque de synergie et de partage. Oui, ça manque, ça manque entre les différents couches. Ça manque. Donc, il faut le renforcement de ces différents couches pour s'informer, s'éduquer et partager. Donc, ça, tu vas le mettre comme solution. C'est le rapprochement des acteurs. Après, tu vas mettre un titre aussi. Que faire? Que faire? OK, qui d'autre? Oui, allez-y. La mauvaise compréhension de l'intérêt pour nous. Quoi? Par exemple, autour de la semence, quel est l'intérêt pour nous à tous ces acteurs-là, que ce soit les semenciers, que ce soit les chercheurs, que ce soit les organisateurs, quel est leur intérêt? Parce que je pense que L'intérêt commun n'est pas perçu. Voilà, il n'est pas perçu. Je veux dire que ça dit l'intérêt commun mal perçu ou insuffisamment perçu. OK? OK? L'insécurité. C'est ça. Tu peux nous dire un peu pourquoi? Il y a de l'assurance. Il y a de l'insécurité par rapport à ce que. On perd notre produit, quoi, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Que ce qu'on fait n'est pas sécurisé. C'est-à-dire, on a peur. Il y a la peur de l'insécurité. Hein? On se comprend bien. Donc, parce que tu peux sortir un produit de quelque chose, bon, tu as cette peur-là de s'ouvrir pour le compte. Priorité de l'État. Okay. Donc, ça veut dire que ça ne. C'est-à-dire les priorités ne prennent pas suffisamment en compte ça. Moi, ouais, je me suis dit qu'aussi, il y a la liaison entre la recherche et la vitalisation. Il faut renforcer cette liaison-là. Donc ça, on va le mettre dans la « que faire ?» Donc, rapprochement, rapprochement chercheur, vulgarisation. Que faire ? OK, oui, allez. Moyens insuffisants ou bien la limite des moyens. Parce que vraiment, en tant que producteur, si vous avez besoin des entrées, il n'y a pas les moyens, vraiment, c'est possible. Donc, il y a vraiment l'insuffisance des moyens. Donc, il faut qu'on fasse une sorte de bonne opinion. Merci, lui. Oui, insuffisance dans la coordination, je pense que c'est et insuffisance dans le leadership aussi. C'est ça. Merci. Donc, la coordination et le leadership. Ok, merci beaucoup. Moi, je ne veux pas le terme manque. Parce qu'on est là quand même, il y a des liens, peut-être renforcer les liens ou bien l'insuffisance de. Oui, là où vous avez manque de lien avec les acteurs, là. Donc insuffisance, c'est pas un manque, il y a quand même des liens avec les acteurs. Donc corriger au lieu du manque de l'insuffisance. C'est juste. Merci. Merci. Il y a aussi la non-valorisation de la chaîne de valeur. Puisque si vraiment on est en train d'appliquer la chaîne de valeur, et tous les acteurs qu'on a cités sur le papier là, on va se reconnaître et on se cherche. Si j'étais parmi vous, j'allais donner cette idée aussi. C'est quelqu'un de donner là, c'est juste pour avoir quand même analysé plusieurs études, disons, connu certaines études concernant les chaînes de valeur. On remarque qu'on parle de chaînes de valeur, en réalité, elle n'est pas effective. Sinon, les gens, ça allait se chercher, comme elle le dit. Donc, vraiment, ce n'est pas véritablement des chaînes de
Voilà, effectivement, maintenant, comment on va le fixer? Donc, c'est pas insuffisant. Au moins, comme tu disais, tu peux mettre ça comme ça, disant le champ de valeur, c'est bon. D'accord? Je crois les hiérarchies existantes et les relations de pouvoir entre les gens, ça empêche aussi quelquefois la bonne collaboration. Et en plus aussi, en anglais, accountability. To whom am I accountable? Comment on dit ça en français? Oui, donc est-ce que c'est à ma mon institution ou est-ce que c'est à la productrice et aux producteurs et aux acteurs de la chaîne de valeur? Oui, c'est ça. Donc, je sais, donc, conflit par rapport à la question de redevabilité de pouvoir. Donc, qui est redevable de qui? Bien, merci. Problème foncier. Oui, dans ce cas-là. Les paysans n'ont pas de vraie d'action. Ok. Merci. Moi, je pense que la recherche reste encore sous-financée par la politique de manière générale. La question de volonté politique n'est pas complètement affirmée. Donc, peut-être c'est ça là-bas. D'accord. Donc, vous voyez qu'effectivement, oui. Des fois, les PTF, C'est les trucs top-down ou pas, je ne sais pas. Merci. Et moi, je pense que mon idée est plus rejoindre la sienne. C'est sans que on peut focuser ça sur la réalité des opportunités de financement. L'idée, on peut faire le focus sur la réalité des opportunités de financement. Pourquoi? Parce que nous, très souvent, au niveau des ONG projets, nous soumettons des propositions. Mais vous allez voir comment il est dit, des PTF, non, tel domaine ne nous intéresse pas. Donc, c'est eux qui orientent, ils disent que non, notre financement va uniquement dans ce sens. Bien, on pensait que la question agricole est une question centrale pour des pays comme les nôtres. Mais vous allez voir, on a beau faire, on a beau soumettre des projets, des demandes de financement liés avec l'agriculture, vous allez voir, c'est limité. Oui. Les exigences des bailleurs. En fait, les opportunités sont. Okay. Voilà, il y a un déphasage. Voilà. Oui. L'inadéquation vraiment entre le besoin et les opportunités de financement. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Oh, oui, moi je voulais mentionner donc, la résistance au changement. Oui, surtout les producteurs. Oui, la résistance au changement. Souvent, vous n'avez pas mal de choses. Oui. La technologie, elle est en côté, mais souvent, ils sont liés toujours à leur certaine. Donc, il faut accepter de changer. La résistance au changement. Ok, je pense qu'on a suffisamment fait le tour. Donc, il nous dit encore. Ah oui, ici, peut-être, on va renforcer. C'est le rapprochement des acteurs, par exemple, chercheurs et vulgarisateurs. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous préconisez, des pistes de solutions pour améliorer, donc, plus d'influence sur les politiques? Plus d'influence sur les politiques. OK? C'est vrai, la thématique qui a été posée par rapport au lien entre les différents acteurs. En réalité, ce n'est pas qu'il n'y a pas de lien, mais peut-être que ce n'est pas structuré. Quand vous prenez aujourd'hui les semenciers, ils sont obligés, on a l'obligation de travailler avec la recherche. Quand vous prenez les distributeurs, et avec les services d'extension, les inspections au champ, tout ça, c'est des trucs qui existent. Mais peut-être
Il faille mieux qu'un. Ajouter par rapport à ce qu'il a dit, je pense que ce serait bien de pouvoir créer des cadres formels pour ces collaborations entre ces acteurs, notamment si c'est des protocoles de convention entre les acteurs ou rejoignant l'idée de Zadok tout à l'heure sur l'approche chaîne de valeur. Si vraiment on met l'accent sur l'approche chaîne de valeur, tous ces acteurs sont identifiés et on crée un cadre de collaboration sur le chaîne de valeur. Un partenariat avec des acteurs bien identifiés, bien définis, avec aussi le cadre de le protocole de collaboration. Cela va permettre non seulement de dynamiser la filière ou la chaîne de valeur, mais aussi de maintenir les liens entre ces acteurs. Parce que là, il y aura création de liens formels, de conventions des deux acteurs. Non seulement de formaliser les cadres qui existent pour qu'ils soient à mettre en place, mais également, c'est vraiment de développer ou de renforcer l'approche sur chaîne de valeur. Okay, c'est bon, merci. Oui, en plus du renforcement de la chaîne de valeur, je pense que les exigences des bailleurs de fonds méritent d'être considérées ici. Je prends l'exemple du Sahel. Notre contexte sécuritaire oblige à ce qu'on ait à la fois le développement, l'humanitaire et le maintien de la paix. Donc, trois approches complètement, très souvent différentes, mais le contexte du Sahel oblige de dérouler ces trois mécanismes à la fois. Il se trouve que sur le terrain, on se fait des piétinements. Les gars qui sont du développement, quand ils sont dans un village, et que le même jour, il y a les gars de l'humanitaire dans ce village, les paysans ne viennent pas aux réunions des agents de développement, ils vont pour l'humanitaire. Et c'est clair, ça se comprend. Voyez un peu. Et donc, je pense qu'au-delà de créer ce cadre, il y a ces aspects-là qu'il faut regarder au niveau stratégique, c'est-à-dire au niveau des bailleurs de fonds même. Il faut qu'on harmonise tout cela et afin de descendre au niveau opérationnel. Le gars qui est dans l'humanitaire, il a peut-être 6 mois pour offrir des résultats à son bailleur de fonds. Moi, je suis dans le développement. Je dois offrir des résultats dans 3, 4, 5 ans. On n'a pas les mêmes priorités. Et donc, comment articuler le développement, l'humanitaire et le maintien de la paix concrètement sur le terrain? Merci. Meilleur agencement. Organiser, c'est-à-dire mieux agencer, disons, l'humanitaire. Développement humanitaire. Okay. Donc, humanitaire, développement, maintien de la paix. Donc, humanitaire, développement, maintien de la paix. Effectivement, au regard de toutes les ressources des fois qui sont dirigées vers l'humanitaire, parfois vers, disons, la question de paix. OK, merci. Donc, bon, le problème, est-ce que réellement on parle de chaîne de valeur? Si bon, on ne va pas discuter. Tu vas voir, chaîne de valeur voudrait dire pour un produit uni, les gens ne se cherchent pas. Chacun va, c'est lui qui en même temps, au niveau de tous les maillons, il va au marché, il achète un truc, il fait ça, il fait ça. Il ne se cherche pas, ce n'est pas basé sur le marché. Je fais et j'attends que le marché achète. Hein? C'est un peu dans ce sens-là. OK, merci bien. Donc, c'est ça. Donc, je voudrais qu'on applaudit pour tout le monde pour vraiment le résultat qu'on a obtenu. C'est l'effort des autres. Nous avons encore 5 minutes. Je suis en train de vous envoyer des post-it là. Donc, ces post-it, chacun, celui qui a une idée, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que vous recommandez? Ces recommandations peuvent être vis-à-vis des autorités, ça peut être vis-à-vis des partenaires, ça peut être vis-à-vis de tous ces acteurs-là. C'est libre à vous. Vous l'écrivez au BIC, votre recommandation. Chacun écrit sa recommandation comme ça. Nous, on va le collecter après. Vous le verrez vous allez voir ça dans le rapport, Inch'Allah. Donc, pour ce qui est de l'évaluation de la session, on a proposé de le faire en ligne. Donc, on va vous montrer le truc en ligne.
Donc, ce serait bien d'ici la soirée, si vous avez un petit temps, vous allez évaluer. Et c'est à ce niveau-là que je vous remercie pour repasser le micro, disons, à Nat, s'il a un mot à dire avant de pouvoir clôturer. Je vous remercie. Donc, tu as projeté le lien pour... Non, non, c'est pas le lien. Ah, tu ne l'as pas donné. Mais je vais le lien. Je vais le lien. Donc, en attendant que la technologie se place. Ça vient, mais non, en silence. Ok, donc je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. C'est vrai, par rapport à ce qui a été fait, si peut-être il y a quelque chose que vraiment vous tenez à dire à cette rencontre. Mais on ne vous a pas donné l'opportunité. C'est vraiment l'occasion. Hein? Le temps qu'il se fixe. C'est vendredi, donc on s'en patiente. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit là par quelqu'un? Il voudra dire. C'est ça qui fait peut-être qu'on a peur de la technologie aussi. Oui, non? Si, vous y voyez, vous y voyez. Ça peut aider des fois, mais oui. La liste de présence là, on a un peu le problème, c'est un mot qui n'a pas encore appris. Et en plus de ça, on voudrait aussi que la liste comporte les adresses e-mail. Il n'y a pas. Donc, il fait que. Parce que pour le rapport, vous aurez besoin pour envoyer ça aux gens. Ou bien même, donc, je ne sais pas comment il faut s'organiser pour ça. La liste qu'ils ont fait circuler, c'est seulement les contacts téléphoniques. Oui, la liste, là, c'est peut vous revenir avec ça. Merci de l'avoir. Je pense pour l'évaluation, on peut envoyer ça après, parce que c'est difficile. Pour mais on n'a pas les mails. Ah, vous n'avez pas le mail ici. Oui, le mail pour tout le monde, on a. Ah, d'accord. C'est ça le problème, ça veut dire. On va afficher le bon. C'est le lien qui va afficher ça. Il y a le lien qui est affiché. Il veut le mettre dans la clé. Oui, vous aurez dit qu'on va aller plus tard. D'accord. Bon, je vais donner quelques announcements. OK. Oui. For the SMIL team, for the équipe de SMIL, we will come back here at 3 o'clock, and we'll have two sessions, two presentations, and finish at 5 o'clock. So just be back here at 3 o'clock. For those of you who are staying for lunch, you will get your ticket on the ticket. C'est là-bas comme l'autre jour, tu peux trouver le ticket pour le repas. So those who want to eat, please get your ticket as you exit. I also want to just give a thank you to our facilitators. I think we can give a round of applause. I think they brought us together and did a very good job of helping us to find ways to strengthen the collaboration. And we hope that, I'm sure going forward, there'll be more, I hope, occasions for this kind of interaction here in Niger with the different development partners. And as a USAID funded project, we're always looking for how to build synergies with other development partners, but particularly with USAID funded projects. So we'll be
I'm sure our social media will be tweeting this. We'll be putting it on social media that we're together in Niger to try to strengthen this this cooperation. So thank you very much for your time and your participation. And the team will be putting a report together and sending that out to you. So I'll pass back now to the team to finalize. The link of evaluation. D'accord, comme on n'a pas les emails, le groupe de email, là où vous allez prendre le lien, voici le lien pour l'évaluation. Dès que vous rentrez dans le lien, ça va vous donner le formulaire de l'évaluation. Vous allez remplir le formulaire, c'est en même temps en français et en anglais. Les questions sont en français et en anglais. Vous remplissez et vous mettez. You can you peux ouvrir. Oui, oui. Try to make it bigger. Open that. Open. Double click sur le lien. Il a agi. Ça va? Non, il ne peut pas prendre. On va pas. Peut remplir ça? Oui. Yeah. Open. Oh. That's okay. If there's any way to actually. I'm gonna try to open it. Je pense que la grille du légèrement peut écrire ça. Oui, légèrement. Ça, après, c'est le. On peut écrire ça. Oui. C'est écrit sur un bout de papier. Le lien sur un bout de papier. Yeah, I think we have that then in the copy of each participant can get in there later. Yeah, it's just. Ça va. Oui, c'est bon. D'accord. C'est bon, c'est le lien. D'accord, chef, on peut finir. C'est fini. Oui. Maintenant, pour le. Si vous voulez dire beaucoup de choses, c'est plus. Bon, comment je vais vous dire? Oui, c'est bon. Donc, à quoi ça va les chambres? C'est ça qu'on attend. Donc, c'est pour vous montrer à quoi le questionnaire va ressembler pour l'évaluation. Donc, ça va vous demander le déroulement de la journée. Qu'est-ce que vous avez aimé durant le déroulement de notre journée? Là, vous allez saisir la réponse. Une fois que la réponse est saisie, en ce moment, là, vous passez à next. Qu'est-ce que vous avez aimé? Après, on va vous demander qu'est-ce que vous avez moins aimé dans tout le déroulement de la journée. You can put try. E something. Yeah, just put them right in there. That's not why it's not. Is it writing? It's not. Ah, d'accord. Comme il est en PowerPoint, je l'ai. Donc, c'est le même. Ça va, ça va. J'explique juste comme ça. Oui, c'est bon. Donc, ça va demander le déroulement. Yeah, it's not. It's not working. There we go. Okay. Yeah. Yeah. It's not. Oui, je pense. Yeah, it's not showing. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, on revient sur le lien, the link. Vous avez ouvert le lien. Then, can you go back? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Back to the link. Something. Just the link. Then they can copy that down. Yeah.
Donc, c'est bien. C'est le lien comme ça. Mm-hmm. C'est bon. OK. OK, mesdames, messieurs. Merci, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Et donc, je suis tout prêt de dire que la séance est élevée, mais j'ai quelque chose à vous rencontrer, histoire. J'étais avec ma famille dans une voiture et j'ai ma petite fille derrière, ma petite fils derrière. Et nous étions en train de conduire vers la ville. C'était une ville que je ne connais pas et nous sommes arrivés juste devant un mur. Et il y avait une placard qui dit à droite, il faut aller à Rome. À gauche, vous pouvez aller à Rome. Et j'ai pensé, mais quelle direction? Et je disais, ah, Amelia, ma fille, quelle direction est-ce que nous devons aller? Elle dit, hey, papa, on va aller à gauche. Et je dis, OK, on, nous sommes allés à gauche. Et petit à petit, j'ai noté que les routes s'est croisées. Ils divergent et ils croisent. Et j'espère bien que ce n'est pas notre cas ici où on croise et on croise après. Parce qu'à la fin, ces deux routes s'est joindre et c'est devenu une autoroute. Et nous sommes allés très, très vite à notre destination. Et je pense qu'entre nous, nous avons le même objectif. Right. Nos chemins peuvent diverger, converger. Right. Et finalement, j'espère bien, parce que nous travaillons pour le même objectif, c'est d'améliorer le bien-être de toutes les populations qui nous servons, c'est-à-dire les paysans, les sociétés, des pays en sous-développement, tous les acteurs dans ce domaine. Donc, j'espère bien que la prochaine fois, nous nous retrouvons sur notre route. Merci. Ok, vraiment, thanks. Thank you. Oui, bon, c'est le moment pour aller marcher. Oui, oui. Donc, nous vous remercions pour tout ce temps et pour ce travail aussi riche. Donc, concernant la pause déjeuner, comme vous savez, aujourd'hui, c'est vendredi, il y a un nombre certainement important qui va peut-être préférer prier avant de manger. Mais il y a des gens aussi qui vont préférer manger avant de prier. Donc, on a normalement 30 places au niveau de la salle. Peut-être on va essayer de voir si le nombre de gens qui vont rester pour manger, naturellement, ça va être peut-être moins élevé que celui qui va à la mosquée. On va leur donner les tickets pour l'autre salle. Et ceux qui vont peut-être, on va donner aussi au ticket à ceux qui iront à la mosquée. Maintenant, on nous dit qu'ils vont manger. Donc, le grand nombre, c'est dehors, au niveau de la terrasse. Et le petit groupe, les 30, vont rester ceux qui vont manger maintenant. Mais il y a aussi des plats locaux. À base de ville, le sorgho, je crois que ça va être posé dehors. Mais les gens peuvent se servir et rentrer. Donc, il y a des plats, pâtes de sorgho. Hein? Non, la trentaine, c'est les gens qui vont rester, qui vont manger maintenant. Oui, ce que je suis en train de dire, si on n'a pas un nombre très élevé, ils peuvent manger à l'intérieur, les 30. Maintenant, si on a peut-être une balance, on va naturellement faire manger d'autres dehors encore. Voilà, maintenant, on va donner à ceux qui sont en salle, qui vont manger en salle, et après, on donne. Donc, ceux qui vont à la mosquée, ils prennent leur ticket, mais au retour, ils vont manger. La pause, c'est jusqu'à 15. Ça va fermer à 15 heures. Donc, il y a assez de temps. Ah, ok. Donc,